La photo shoot est née à Montréal en 2014 et l'idée, en fait, moi je tournais avec un bain et la façon que la musique africaine, tchadienne est présentée m'a amené à penser à une autre façon de présenter la musique africaine. C'est quoi ton style? Moi j'aime l'appeler de l'électro-tribal Sahara Blues, donc qui est un mélange de rythmes sacrés et ancestrales, fusionnés de la house tech et... Mais la base rythmique, c'est la musique africaine. L'afrofuturisme, en fait, c'est ça, c'est la philosophie et la vision que ma musique essaie de représenter. Celle qui voudrait qu'on peut s'imaginer un futur basé sur les valeurs ancestrales africaines. Comment tu trouves la Réunion de... Yo, je suis en amour, c'est la folie. J'ai rarement vu une nature belle. J'ai déjà de me renseigner si ça coûte pas cher d'avoir un petit espace. Sinon, vraiment, c'est tellement beau. Et ce que j'aime aussi, c'est ce métissage de monde qui rejoint aussi cette vision futuristique à voir que l'humanité sera tellement mélangée qu'on donnera moins d'importance à une peau de couleur ou que les cultures vont se brasser. Justement, mon prochain album qui s'appelle Future Tribe parle de cette tribu que j'imagine dans le futur qui dépasse transversale, universalité de langue and everything.